Attends, mais c'est le monstre qu'il y avait dans Polar Peak. Et comment ça se fait qu'il soit en skin? Et une emote intégrée, devine l'emote. Like vite la vidéo avant la fin de l'intro, sinon ta cosse il vient chez toi ce soir. Il a aussi dit que t'avais pas le droit de quitter la vidéo sans avoir mis ton petit commentaire. Falco, hein, regarde ce qui s'est passé avec le dernier qui l'a pas écouté. Allez, merci, hein, la bise. Hey, salut à toutes et à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est la mise à jour de Noël sur Fortnite. Il y a eu du coup son lot de nouveautés, de nouvelles mises à jour, des skins, des trucs dans les fichiers du jeu. Puis bon, vous connaissez, hein, qui dit nouvelle mise à jour dit Alki. Qui dit Alki dit nouveau skin en exclusivité et pas mal de trucs qui vont arriver sur le jeu, qui du coup va nous montrer aujourd'hui. T'es là Alki, tu m'entends bien? Ouais, je suis là tranquille. Bah voilà, écoutez, comme d'hab, hein, Alki, notre copain le hacker, a tous les skins, encore une fois bien évidemment à l'avance. Et il se trouve qu'il va nous montrer du coup tout ce qui va arriver prochainement sur le jeu, des skins qui sont pas encore sorties, qui sont pas visibles sur le jeu. Mais il y a des danses aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, il y a pas mal de danses, il y a beaucoup de skins, malheureusement, ils sont encryptés, comme le skin sapin et tout. Bon, bah vas-y, écoute. Coup, bah, ouais. Allez, let's go. Je te laisse gérer. Je vais commencer par le pack. Allez. Alors, déjà, on va commencer. C'est un pack de Noël, c'est ça? Ouais. Nous avons lui qui est méga stylé. Ah putain, poisson en glace. Il est vraiment glace. En vrai, je crois qu'ils vont le faire avec plein de skins, ça, tu vois. Ils vont le faire avec plein d'autres, c'est obligé. Si jamais, juste avant de commencer la vidéo, tiens, j'ai pas pensé à le faire, les copains, mais si vous êtes nouveau, hein, pensez à l'abonnement. Pensez à mettre votre petit pouce bleu aussi. Vous marquez le skin que vous avez préféré là, parmi ceux qui vont sortir. Celui-là, pour l'instant, vas-y, si tu dois lui mettre une petite note, un petit 7. Tu sais qu'il est marrant en glace comme ça. Ouais, celui-là, il est pas mal. Il y a celui-là, franchement, que je trouve trop stylé. Tu me diras mon avis et ton avis, mais moi, je trouve vraiment classe. Vas-y. En fait, on dirait une variante d'un skin qu'on avait déjà là en rouge. Ouais, et il y a le chapeau qui est un peu gros. Moi, bon, celui-là, je mettrais peut-être. Moi, 6. Je suis moins fan. J'aime pas en fait quand c'est des skins qui réadaptent et qui retravaillent. Tu vois, je préfère quand c'est un truc fait de. Ouais, bah, celui qui va arriver, il va te plaire alors. Ah ouais? Celui-là, il est badass. Bon, en fait, on dirait un nouveau skin Galaxy un peu genre. Ouais, mais il est tu classe, vois un truc qui bouge à l'intérieur, mais c'est un nouveau truc. Ouais. On dirait une espèce de petit cosmonaute, mais sauf qu'il a pas de casque. Bon, pas mal. Celui-là, un petit 8. Parce qu'ils ont innové, tu vois. Ils ont voulu faire un truc tout neuf. Du coup, souvent, c'est aussi une fille. T'es sûr que c'est une fille? Moi pourtant je dirais que c'est un singe. C'est un singe peluche, je vois pas trop le non, je suis pas pourtant, je trouve qu'il est ultra précis dans le détail. Assez flippant quand même, hein. En pleine nuit tu vois un mec qui est debout devant ta porte comme ça. Ça me fait penser à un jeu là avec les Sackboy. Comment ça s'appelait ce jeu là? Little Big Planet, voilà, Little Big Planet, cherchez le nom. Ah. Il est tout neuf, il y a un truc tout nouveau. Ouais. Je mets 9 celui-là. Après le prochain c'est un mec. Par contre le bail qui flotte entre ses deux jambes là, ça me fait penser à l'autre skin de la dernière fois là. C'est ça que... Il était mal à l'aise. Waouh, mais mec, mais attends, mais il faut qu'il mange, hein. Il est dément, en vrai. Il est pas en bonne santé. Non, mais sérieux, il est super fin. Après, ouais, sa tête robot, ses bras robots, c'est stylé, mais je le trouve trop fin. Je vais l'inviter 2-3 fois au tacos, celui-là, et on va rattraper les choses. Ah, du coup, le prochain, c'est aussi un mec, mais... celui-là, il rattrape tout. Celui-là, il rattrape plutôt tout. Plutôt un ours. Ouais, en fait, celui d'avant, il a donné ses kilos en 3 à celui-là. Là, celui-là, il a pose, hein. Énorme. Mais carrément, et on dirait limite pas un skin du Battle Royale, on dirait un skin du Sauver le Monde. Je crois que c'est le premier skin gros comme ça qu'on a. Non, c'est le deuxième. Mec, celui-là, même un Bambi, il peut pas le rater. Donc, prochain, c'est pareil, un pirate. Celui-là. Oh putain, celui-là, il est trop bien. Ouais, franchement, lui, il est classe. Carrément. Il a du flow en plus avec sa petite boule de Noël là à la place de sa ceinture. On dirait que c'est une grenade. Ouais. Non, il est bien pensé. Ouais, je trouve que celui-là, même son pull et tout, j'aime bien. Je le trouve stylé. Il est bien pensé. Bon, après, il a un pantalon rapiécé, quoi, mais vas-y, il passe bien. Du coup, celui-là, c'est une fille. Et je crois que c'est. Voilà, celui-là, il est classe. Il a double style. Je le trouve un peu angoissant quand même. Sa tête de poupée au-dessus là. C'est un lutin qui va pas t'offrir des cadeaux. Bah non, lui vient te voler des cadeaux, on dirait plutôt. Ou alors il vient te manger pendant que tu les ouvres à la limite, mais. Celui-là, je lui mets un 8 en vrai. C'est celui que j'ai le moins aimé pour l'instant. Faut savoir qu'il a une deuxième variante sans son masque. Hein. Vas-y, du coup, souvent, c'est aussi une fille. Mais celui-là, il est classe. Ah ouais, celle-ci, elle envoie du lourd, je trouve. Celle-ci en modé, elle doit. Il y a moyen de faire des trucs de fou, à mon avis. Mais un 9, hein. Ouais, moi, 9 aussi. Je sais pas si t'as capté, il y a des espèces de flammes qui sortent de ses gants, ses chaussures. Ouais, lui, plutôt stylé. Je sais pas dire si c'est du latex ou du métal. C'est fort brillant, pareil, ça, tu dois te faire vite repérer avec ça, à mon avis. On pourrait limite croire un petit peu à une armure de chevalier, un petit peu. Avec ouais, son petit micro, je pense que c'est une espèce d'agent secret, à mon avis. Celui-là, il est énorme. Ah ouais, putain, le pantalon, ça envoie du lourd, je trouve. Lui, c'est directement un 9. Il y a pas beaucoup de détails, tu vois. Putain, elle a un dégradé à la Rihanna sur le côté, j'ai pas capté au début. Ou alors, c'est une tonsure, mais il a son propre style. Ouais, j'avoue, le pantalon, il est à gauche. Bah, même sur son t-shirt, hein, j'ai pas vu, il y a un flocon de neige. Après, ça tient pas hyper chaud hein, pour une combinaison de Noël. Hein. Tu sors comme ça dehors, tu rentres chez toi après, tu chopes directement une gastro, une grippe. Hein. Vas-y, du coup, suivant, c'est aussi une fille. Hein. C'est le nouveau pack PS4. Normalement, je crois qu'il est disponible actuellement, je suis pas sûr. Un deuxième pack PS4? Ouais. Ils veulent relancer les hostilités, ils veulent vider les stocks des PS4 pour Noël à mon avis. Après tu vois je suis pas déçu vu la gueule du skin. Moi je trouve pas ouf non plus, c'est vrai. Le dernier skin, après on va passer aux danses. Il ressemble au premier un petit peu qu'il avait déjà eu. Oh pas mal celui-là. C'est un mec d'escalade ça. Avec sa petite pioche puis ses chaussures à crampons. On dirait même qu'il y a un petit peu de neige sur ses épaules. Pas mal. Franchement lui je lui mets un 9. Ouais pareil. Avec ses cheveux blancs et son masque comme ça, on dirait il y a un petit truc à la Kakashi. On va passer aux danses hein. Je vais juste remettre un skin comme ça, voilà. C'est le drapeau avec l'icône de ta bannière. Donc là c'est Epic Game, tu vois. Okay. Franchement, elle est classe.
c'est une espèce de Macarena un peu. Ah, ok, bon vas-y du coup suivante hein. Franchement celle-là elle est classe. Regarde aussi. Ah le secou, il y a neige qui tombe autour. Ah ouais. Okay. Ouais franchement c'est dément. En plus ça tombe dans tout le lobby. Du coup celle-là aussi. Ouais. Il y a peut-être un peu de drogue. Mais... Ouais. Un peu beaucoup. En fait, c'est pas de la neige qu'il y a sur son pantalon. C'est pas de la poudreuse de neige, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, suivante. Franchement, elle est trop stylée. Ouais, pour Noël, elle est sympa. N'avais pas déjà eu une émote comme ça, avec des espèces de serres ou un truc comme ça, qui sortait d'un... Ouais, mais c'est pas du tout le même style. Du coup, suivante. Celle-là, franchement, elle est stylée. C'est bien. Ouais, celle-là. Celle-là, elle est fun. Du coup, la dernière, hein, bah, celle-là, tu l'as vu. Sur le skin, sur l'autre skin, ça rend bien, mais sur des skins d'humains, quand tu vois toute la bave... Vas-y. Fais la danse là avec celle. Avec tout son décolleté qui descend là en plus. Ouais, ok, Bob le bricoleur. Ah, il doit avoir plein de baffes dans sa barbe. Attends, mais c'est le monstre qu'il y avait dans Polar Peak. Oui. Et comment ça se fait qu'il sort en skin? Et une emote intégrée, devine l'emote. Vas-y, on dirait un alien en fait. Hein. Je le voyais pas du tout comme ça. Hein. Avec l'événement, je ne le voyais pas du tout comme ça. Peut-être qu'il va refaire parler de lui dans le jeu, c'est possible. Parce que je trouve ça bizarre qu'il ressorte, mais que maintenant. Je te laisse deviner sa danse intégrée. Je sais pas, la tectonique. Non, elle est badass. Ah, son hurlement. Ouais. Eh, imagine, ils auraient fait ça, tu sais, avec son rayon laser. Quand sa danse, ça aurait été son rayon laser, là, lors de l'événement. Ouais, je... Ça aurait été putain de stylé. En plus, ça aurait suivi avec Star Wars. Franchement, ce skin-là, je lui cale à 9. Ouais, à 9, parce que l'événement, bon, je l'ai pas suivi, mais je l'ai vu et... Le seul truc qui est dommage, tu vois, c'est qu'il est trop gros. Mais il est plus petit, j'ai l'impression. Qu'est-ce que t'as contre les gros? Rien. Qu'est-ce que t'as contre les gros? Je vais aller graille, on m'a appelé pour aller manger. Bon voilà, bah, en tout cas c'était cool, merci de nous avoir montré du coup toutes les petites nouveautés qui vont arriver. Les copains, je vous rappelle de glisser votre petit pouce bleu. Il y a la chaîne Alki dans la description, je vais essayer de pas l'oublier ce coup-ci. Au passage, voilà, on se retrouve très bientôt pour notre vidéo. Puis voilà, c'était Refid, c'était votre tonton Tacos et Alki. Ciao, ciao. Fighting to stay in my face. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please. Cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty and